Alors bonjour tout le monde, vous venez d'entendre la télé de Bond Instruments. Si vous voulez continuer d'entendre d'ailleurs, bon, vous pouvez aller dans les chapitres puis tout de suite sauter à la partie que vous voulez, mais pour les prochaines minutes, je vais vous expliquer un petit peu ce qui en retourne avec cette guitare-là. Puis à la fin, ben, je fais la conclusion. Alors première des choses, Bond Instruments, ben, c'est fait à la main ici au Québec, dans la grande région de Montréal. Puis bon, ils ont plein de guitares qui sont vraiment originales avec des améliorations modernes. Donc c'est des locking tuners, des trémolos qui restent en tuning, des bois originaux font leur propre pick-up. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont capables déjà de faire des idées vraiment capotées, puis ils les ont fait plus qu'une fois. Parlant d'idées capotées, bon ben il y a déjà Aaron de Annihilator qui joue avec certains de leurs modèles. On a Dan Mongrain de chez nous, de Martyre entre autres, qui joue avec un modèle qui lui aussi est super original. Puis la guitare que j'ai en ce moment, ben c'est une guitare qui elle a de ces améliorations-là en restant quand même une télé. Première des choses, ben le manche est en wenge. Puis ça, le wenge c'est quand même un bois qui est plus rare, c'est super confortable, c'est le fun parce qu'on sent vraiment les nervures du bois. Le manche est un petit peu plus gros qu'un C moderne, ce qui fait qu'il est très confortable pour jouer, mais vu qu'il y a un radius de 12 pouces, ben, on peut mettre les cordes quand même très basses, quand même faire des bends, qu'il y a des locking tuners dessus, ça aide grandement à rester toujours accordé de la bonne façon. Puis c'est des frettes médium, fait qu'on peut quand même se déplacer très très rapidement sur le manche. Parlant d'autres améliorations modernes, j'aime ça les single coil, mais ça crée un bruit qui vient avec ça. Pas ceux-ci. Ce sont des noiseless, quand même, qui sont des vrais single coils. Puis je le dis comme ça parce que normalement, pour être noiseless, ça prend absolument deux bobines pour qu'il y en ait une qui cancelle l'autre pour pas qu'on entende le qu'on entend le fameux hum en anglais. Normalement, ça va être un par-dessus l'autre, comme je disais. Donc, les stacks de Seymour Duncan sont comme ça. Les noiseless de Fender, c'est ça. Ce sont des humbuckers verticaux, on va dire. Pas ça ici. Ici, on a une bobine pour chacun des deux groupes de trois cordes, ce qui fait en sorte qu'une va canceller l'autre, mais que le son est seulement pris une seule fois par un single coil. Ce qui fait en sorte que vous allez l'entendre que ça sonne comme un single coil, mais il n'y a pas de bruit. Puis moi, pour vrai, je triple là-dessus. Pour finir, ben, le corps est en onde, ou alder en anglais, terme qu'on est peut-être plus habitué à entendre. Et le top, ben, c'est de l'érable qui a été fini à l'huile, donc il y a quand même un finima sur la guitare. Donc vous allez m'entendre en jouer, je vais l'essayer en clean, après ça un peu plus cochon, puis après ça full disto à la fin parce que j'ai le droit. Puis à la fin, ben, je vous dis comment j'ai aimé ça, puis ben, c'est pas mal ça. Enjoy! C'était la démonstration, la mienne en tout cas, de la télé de Bond Instruments. Je dois avouer que j'ai vraiment trippé à jouer du rock, puis oui, bon, des trucs plus métal avec, parce qu'elle peut le prendre. Puis je pense que c'est ça que je vais retenir de cette télé-là, c'est que, honnêtement, le pick-up du bridge sonne méchant et doux à la fois, puis il n'y a pas de noise. Il me permet, je pourrais prendre cette guitare-là, puis faire un set qui passerait du blues au métal pour vrai, puis j'aurais pas l'impression que je suis en train de manquer quoi que ce soit. J'ai adoré cette guitare-là, elle est super confortable. Je suis habitué aux manches qui sont plus minces. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à la fin, le manche devient quand même plus plat vers les plus hautes notes. Fait qu'on peut quand même aller creuser puis aller vraiment chercher loin. Ça, j'ai beaucoup aimé. Puis ensuite de ça, ben, le feeling général de la guitare. Moi, personnellement, je préfère les jumbo frets normalement parce que c'est plus facile pour jouer vite puis être précis. Mais vu que le manche est mince, ça me permet quand même de descendre plus les cordes qu'on va dire que ma Strat qui est en arrière. Ce qui fait que j'ai quand même préféré jouer sur la télé qu'il y a là. Et si vous êtes intéressé d'essayer cette guitare-là ou les autres modèles de télé qui sont déjà là ou n'importe quoi d'autre en fait, vous pouvez aller sur leur site qui est juste là en bas. Vous pouvez aller discuter avec le gars, il est super sympathique, connaît son affaire. Honnêtement, il y en a déjà une coupe en stock, fait que tu peux aller essayer différents trucs puis voir ce que t'aimes. Je te le conseille fortement. Et j'ai un code promo qui est Scoville. Donc, profite-en, je te le donne. Donc, puis reste à l'affût parce que dans pas trop long, je vais sortir mon cover de Annihilator qui est King of the Kill avec un de mes amis, le Defunct Band Neldit. Et après ça, j'ai une autre guitare aussi de Bond Instruments que je vais essayer, mais celle-là est pas mal plus métal. Fait qu'on s'en parle bientôt. À la prochaine.